Montpellier, la ville qui attire toujours plus, avec ses 300 jours de soleil par an, son vieux centre et ses monuments. D'abord surdoué, sous son illustre maire Georges Fraîche, à présent sans limite, Montpellier n'en finit plus de grandir et de nous éblouir de son rayonnement, bientôt international. C'est définitivement la ville où le soleil ne se couche jamais. Comment ? Vous avez dit communication ? Elle se transforme mal. C'est une ville qui est agréable, qui est attractive, et depuis Georges Fraîche, avec sa communication, Montpellier l'a surdouée, enfin on a vu arriver des tas de gens qui venaient ici. Donc la ville ne vit que sur la cavalerie démographique. Donc des gens arrivent, ben, oui, il faut construire, il faut du service, il faut du commerce. Et donc le système tient tant que de nouvelles populations arrivent. Le jour où cet apport démographique cesse, l'édifice s'effondre. Montpellier et la croissance démographique, c'est une histoire assez récente finalement, puisqu'elle remonte aux années 60 avec l'arrivée de populations pieds-noirs et harkis. La mairie en place construit alors des zones résidentielles comme le Petit Bar ou ici la Paillade, véritable cité sortie de terre, aujourd'hui parmi les quartiers les plus pauvres de la ville. Montpellier ne cesse alors de croître et de construire en conséquence. Deux tendances lourdes viennent façonner la ville, l'extension et la densification. François Delmas, maire de Montpellier de 59 à 77, étend la ville au nord et dans les communes alentours. À la fin des années 70, Georges Fraîche, le bâtisseur, entame l'extension de la ville vers la mer. Son objectif ? Créer un axe reliant l'aqueduc des Arceaux au Lèze. Montpellier s'en trouve modifié radicalement, comme on peut le voir sur ses différents clichés. Ici, la place de la Comédie, anciennement place de l'Œuf, en 1971. La construction de la mairie, au sein de ce que sera le polygone. D'ailleurs, on distingue l'esplanade Charles de Gaulle au fond. Alco, en 1980, puis en 2009, avec les tours de la Paillade en arrière-plan. Antigone, ancienne caserne militaire en 79, puis en 2009. Les bords du Lèze avant et après l'installation de l'hôtel de région. Richter en 1970 et en 2011. Avec le chantier presque terminé de la nouvelle mairie et les acs du bord de l'Aise. L'Écusson, en janvier dernier. Une extension qui a pour but, bien sûr, de parvenir jusqu'à la mer, ici en arrière-plan. Surfant sur cette vague démographique, Montpellier n'en reste pas là. La surdouée se densifie, et Fraîche, toujours, entame un urbanisme de quartier en développant de nombreuses ZAC, comprenant zones d'aménagement concertées. Ces quartiers, comme Malbosque, la Nouvelle Mairie, Jacques-Cœur, Ovalie ou encore les Grisettes plus récemment, émergent vite et posent plusieurs problèmes quant à la cohésion de la ville. On
on aboutit à des quartiers qui sont des quartiers extrêmement denses et qui se révèlent très difficiles à vivre ensuite. Bon, il est clair qu'au Valy, le quartier de la Nouvelle Mairie ou le quartier de Malbosc, pour prendre quelques exemples, et puis demain celui de Pierre-Vive qui prend forme aujourd'hui, sont des quartiers qui ne sont pas simples à vivre, où les investissements publics viennent après coup. Par exemple, à Malbosc, on a fait une école, et maintenant il y en aura bientôt trois, parce qu'on n'a pas prévu que les gens feraient des enfants. Enfin, des choses ahurissantes qui visent à concentrer, à répondre à la croissance démographique au nom d'une croissance. Montpellier doit franchir les 500 000 habitants. C'est aussi stupide que le Bordeaux millionnaire, cette volonté de croissance qui rentre dans une stratégie de la métropolisation territoriale. Le schéma suivi par les autorités locales est simple. La population augmente, on construit davantage, on fait fonctionner notre économie de services, les projets urbains émergent, ce qui attire de nouveau les populations. C'est ce cercle a priori vertueux que les autorités cherchent à perpétuer encore aujourd'hui. Pour ce faire, la CERM, Société d'équipement de la région Montpellier-Rennes, bras armé de la mairie en termes d'urbanisme, achète du foncier à bas prix, en expropriant notamment, et le revend au prix fort aux promoteurs immobiliers. L'argent gagné doit ainsi permettre l'installation d'équipements publics, et l'achat de ce foncier permet d'en avoir la maîtrise. Ingénieux, non ? Seulement voilà, ce système s'essouffle. Les projets urbains continuent de se multiplier sans réelle cohérence, les équipements publics tardent à se créer dans les ZAC, et Montpellier arrive aujourd'hui à saturation. Pour qu'un nouveau quartier vive, ça prend du temps, et puis il faut créer une vie sociale dans ce quartier, il faut que les gens s'en emparent. Je sais pas, il faut qu'il y ait des commerces, une école, un bar, une place, des associations de quartier. Il faut qu'il y ait une vie de quartier. Et là, on construit à un tel rythme qu'on a l'impression qu'il y a des arrivées de population et que c'est plus des quartiers dortoirs que réellement des quartiers qui vont avoir une dynamique propre. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'une ville qui ne prend pas le temps de respirer, de s'installer. En fait, on ne sait plus vraiment si Montpellier bénéficie ou est victime de sa croissance démographique. La ville grandit vite, trop vite diront certains. Les autorités locales en tout cas se justifient complètement. La population augmente, donc il faut construire. Il faut faire ces nouveaux quartiers parce qu'il va falloir continuer à accueillir les habitants. Que si jamais on ne construit pas ces logements-là, eh bien la pression sera telle sur la ville existante que... vous aurez une envolée des prix. Et déjà, les prix à Montpellier sont élevés. Mais ils sont élevés à Montpellier, à Nantes, à Grenoble, à Strasbourg, dans toutes les grandes villes de France et même d'Europe. Et c'est un phénomène d'ensemble que nous vivons. Certes. Rappelons qu'en termes d'achat du foncier, Montpellier est la ville la plus chère de France, devant Paris, comme le montre ce classement de 2011. Et concernant l'accession à la propriété, Montpellier est marqué par des inégalités importantes. Comptez moins de 2000 euros le mètre carré à la Paillade ou la Croix d'Argent, et jusqu'à 6000 sur les nouvelles ZAC de Port-Marianne et de l'avenue de la Mer. On passe du simple au triple, une situation qui risque de ne pas s'améliorer avec l'extension de la ville vers la mer. Ces nouveaux quartiers, pourtant, la mairie comme l'agglomération s'en félicite. Mieux, en imposant aux promoteurs un taux de 30% de logements sociaux dans chacune de ces ZAC, les autorités espèrent endiguer les quelques 22 000 demandes en attente. 22 000, quand une ville comme Rennes n'en compte que 13 000. Un chiffre vertigineux qui s'explique par une sociologie urbaine très marquée par la précarité. Dans la ville aux mille et une vies, 30% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Et 70% est éligible au logement social. À noter également un retard historique dans la construction d'habitats sociaux. Il n'y a pas d'usine, il n'y a pas d'industrie, un territoire agricole qui fait que on n'a pas construit des logements comme des logements sociaux, je parle, bien sûr, comme sur d'autres territoires français. Il y a des villes en France où il y a 45% de logements sociaux. On en est loin. Un retard que la municipalité a tenté de combler dès le début des années 80. Ce que ça a impliqué, c'est une politique qui a été mise en place donc, il y a fort longtemps et qui était une politique de mixité sociale, c'est-à-dire que la CERM étant
à la tête, enfin bon, s'occupant de la mise en place des ZAC, la règle a été bien avant les lois actuelles de dire qu'il fallait qu'il y ait minimum 25% de logements sociaux chaque fois qu'on construisait, qu'on faisait une ZAC. Selon une enquête de l'INSEE publiée en 2011, chiffres les plus récents disponibles compte tenu de la réserve électorale, Montpellier s'affiche en bon élève avec 26,6% de logements sociaux sur son sol. Concernant les communes de l'agglomération, aucune ne respecte le seuil de 20% fixé par la loi SRU. Si Clapiers, Jacou ou Villeneuve-lès-Maguelone atteignent péniblement les 10, 12 et 10%, la grande majorité d'entre elles n'atteignaient pas en 2011 les 10%. Pérols et Fabrègues n'atteignent même pas les 2%. Un retard historique, une mauvaise volonté des communes environnantes, auxquelles s'ajoute la croissance démographique et la précarité de la population. La crise du logement montpelliéraine semble bien avoir trouvé ses coupables. Pourtant, à bien y regarder, quelques questions se posent. Revenons à Rennes, ville comparable à Montpellier, tant par sa taille que par son dynamisme. 13 000 demandes de logements sociaux en 2012. La même année, 75% des bénéficiaires de ces logements attendaient depuis moins d'un an. À Montpellier, 22 000 demandes pour un délai moyen de 36 mois et des demandes en attente depuis parfois 8, 9, 10 ans, voire plus. La gestion du parc locatif de la ville serait-elle donc si irréprochable? Depuis de nombreuses années, de forts soupçons d'irrégularité planent sur la commission d'attribution des logements sociaux et sur les pratiques du principal bailleur social de la ville, ACM. En 2009, la MILOS, Mission interministérielle d'inspection du logement social, concluait ainsi son enquête sur la commission d'attribution ACM. Le fonctionnement actuel de la commission d'attribution des logements doit être amélioré, notamment afin de garantir sa souveraineté et d'assurer l'objectivité indispensable des choix réalisés. Ces décisions sont insuffisamment motivées. En cause, des critères d'attribution trop généraux et sans aucune hiérarchie. Ces critères sont mentionnés dans l'article 2 du règlement de la commission d'attribution. Pas moins de 13 critères sans ordre de priorité, allant de la personne victime de violence à la famille logée dans un immeuble déclaré en état de péril, en passant par les personnes dont le délai d'attente dépasse les 36 mois, ce qui couvre peu ou prou la totalité des dossiers. La question qui se pose, c'est la question des procédures de choix. Et un des problèmes, donc, c'est qu'en commission d'attribution, des dossiers sont présentés. Mais on ne sait pas d'où viennent ces dossiers. Ils sont présentés par des agences, donc c'est extrêmement segmenté. Chaque agence présente un certain nombre de candidats sur un certain nombre de logements. Mais le problème fondamental, c'est l'historique de la demande. L'historicité est en effet le deuxième problème soulevé par le rapport de la MILOS. À l'époque du rapport, le numéro d'enregistrement départemental n'était pas pris en compte lors du passage en commission. Ce numéro, attribué par la préfecture à chaque demandeur lors du dépôt de sa première demande de logement, est la garantie d'une prise en compte de l'historicité de chaque dossier. Si les commissions semblent aujourd'hui davantage tenir compte de ce critère, les associations continuent de dénoncer des dysfonctionnements quant au renouvellement annuel de ce numéro. Pour une journée de retard, le demandeur perd en effet la totalité de son ancienneté. La difficulté sociale existe. Mais comme elle est, on va dire, généralisée, à un moment donné, se pose une question de qui on présente. Et ce ne sont pas des gens qui font des demandes depuis très longtemps qui passent. Ce sont des gens, en fait, on ne sait rien, on ne sait pas. Donc il arrive, des gens qui peuvent présenter un dossier, au bout de 4 mois, 5 mois, 6 mois, peuvent avoir une réponse, alors que d'autres, depuis 10 ans, ne l'ont absolument pas. Et donc, sans historicité, comment le choix s'opère? Et là, il n'y a aucune réponse de l'organisme. Donc, on entérine des pratiques qui sont problématiques. Le problème ne s'arrête pas là. Ce même rapport révèle également non plus des dysfonctionnements, mais de véritables infractions dans l'attribution de ces logements. Dans un contrôle portant sur 118 dossiers, la commission révèle un dépassement de plafond des ressources autorisées et 7 attributions avant passage en commission. Elle révèle également que les agences chargées de présélectionner en amont de la commission d'attribution 3 dossiers pour chaque logement disponible ne présentent dans 22,5% des cas qu'une candidature. Des pratiques problématiques donc qui font écho aux différents scandales relayés par la presse ces dernières années.
sait pas. Alors, ce qui fait que les pires rumeurs se répandent, les gens croient qu'ils obtiennent des logements parce qu'il y a eu tel ou tel, et il y a la rivalité entre les gens, comment ça se fait que lui, qui a un revenu plus faible, plus fort que moi, il a eu ce logement, pas celui-là. Ça crée de la rivalité, il faut créer de la transparence. De quoi faire trembler nos élus, si soucieux de justice sociale. Mais non, malgré la récurrence de ces affaires, ni la direction d'ACM, ni Louis Pouget, élu municipal et président de l'Office, ne semblent prêts à remettre en cause les structures de l'organisme. Je gère 22 000 logements et c'est déjà suffisant à m'occuper. S'il y a une brebis galeuse, on la prend et on la licencie. C'est tout ce que je peux faire. Et s'il y a des suites, on peut porter plainte. C'est tout ce qu'on peut faire. Qu'on m'amène des preuves. Pourquoi vouloir perpétuer une gestion pour le moins opaque du logement social dans une ville revendiquant pourtant la transparence de ses institutions? Que représente donc le logement pour ses élus? Le logement est tellement problématique de façon générale en France. On voit bien, enfin, il y a une demande énorme. Ça ne peut pas échapper à ces logiques de captation d'électorat. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est trop tentant. C'est trop tentant pour un politique qui dispose de ce levier-là pour se maintenir au pouvoir et rester aux affaires avec tout ce que ça veut dire. C'est trop tentant de on ne peut pas ne pas l'utiliser, je veux dire, à un moment donné. C'est presque une donnée, à mon sens, c'est presque une donnée structurelle de la gestion municipale en France. À défaut de s'interroger sur les biais d'un système trop bien installé, les autorités construisent. En étendant la ville avec de nouveaux quartiers résidentiels, les fameuses ZAC, mais aussi en la densifiant, avec la mise en constructibilité de certains espaces collectifs, tels que le parc Montcalm et le stade du Père Prévost. C'est suite à la réforme de la carte militaire en 2008 que Montpellier perd son école d'application d'infanterie, l'EAI. Au-delà des 1700 emplois perdus, la municipalité voit dans ce départ une chance unique d'acquérir un espace vert de grande envergure en plein cœur de ville. La mairie vend alors à ses habitants le projet d'un central parc à la française, véritable poumon vert de 35 hectares, dont les 26 du parc Montcalm. Cette acquisition a également pour but de valoriser l'entrée sud de la ville. L'acquisition de l'EAI nous permet d'opérer cette transformation, de faire un grand parc, un poumon vert pour l'ensemble des Montpelliérains, et en même temps de faire des logements. Et donc de faire de la couture à l'intérieur de la ville. Transformer l'avenue de Toulouse, ouvrir cette grande enclave qui était celle des militaires de 35 hectares, et donc créer de la porosité entre, d'un côté, le quartier qui est situé entre l'avenue de Toulouse et la route de la Vérune, d'une part, et d'autre part, le quartier de la Croix d'Argent, pour faire en sorte que le piéton puisse circuler. Le projet semble beau, ambitieux, complet. Pourtant, sa présentation suscite colère et indignation chez les citoyens, comme dans la classe politique locale. En cause, un projet d'urbanisme prévoyant la construction de près de 400 logements et un tracé de la ligne 5 du tramway, incluant la traversée du parc. Alors que Montpellier a la chance historique d'avoir un parc assez grand avec le départ d'une caserne, mais ce parc est amputé avec le passage du tram qui du coup ne desservira pas certains quartiers populaires et toute une partie de ce parc aussi est urbanisée avec coupé quand même aussi 700 arbres. Hélène Mandrou et de la Fosse ont acheté 19 millions d'euros le AI. On aurait attendu un mois que Hollande passe les friches militaires étaient gratuites. C'est dans le programme d'Hollande. Donc maintenant il faut rembourser 19 millions d'euros en plante de 300 000 mètres carrés. Pour planter les 300 000 m², on prend l'excuse du passage du tram au centre, enfin, à l'intérieur du parc local, pour pouvoir déclasser la partie bordante et enlever les arbres. L'argument n'est ici pas tout à fait juste, puisque l'engagement numéro 23 de François Hollande ne garantissait une mise à disposition gratuite des terrains de l'État qu'à la condition d'y construire du logement, dont du logement social. La ville aurait donc de toute façon dû construire, mais aurait pu le faire à moindre coût. Mais cette urbanisation est-elle tout simplement justifiée?
Ce parc représentant une des dernières réserves vertes de la ville ne devrait-il pas être préservé? Qu'en pensent les habitants? L'ARFA, l'association de la rue Foncouverte, lance une pétition auprès des Montpelliérains pour préserver de toute urbanisation l'intégralité du parc. Plus de 10 000 signatures sont récoltées. La mairie, qui clame pourtant une volonté de concevoir ce parc en concertation avec les habitants, ne prend pas en compte cette demande. À l'approche des municipales, les Verts montent au créneau et parviennent à négocier un accord avec Jean-Pierre Moure. Dans l'accord que nous avons passé avec Jean-Pierre Moure et le Parti Socialiste, on a demandé de sanctuariser à peu près 21-23 hectares, donc c'est-à-dire toute la partie sud de l'EAI et les espaces boisés. Maigre victoire, répond-on, à gauche comme à droite. Car sur le passage du tramway, en effet, cet accord n'engage le PS qu'à une nouvelle discussion, dans le cas où la déclaration d'utilité publique serait cassée. Si elle ne l'était pas, le tracé actuel serait donc conservé. Les Verts, ils ont cédé sur tout. Sur le parc Montcalm, justement, vous en avez pensé quoi de cette politique de la ville ? C'est pareil, c'est comme sur l'eau. Ils veulent faire un tramway qui traverse le parc parce qu'ils veulent bétonner de part et d'autre. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Une action menée par l'ARFA est en cours au tribunal administratif pour obtenir l'annulation de l'arrêté préfectoral. Le verdict sera rendu en octobre. Étant une propriété privée, la déclaration de constructibilité sur le terrain du stade du Père Prévost est un peu différente, mais illustre néanmoins très bien le processus de densification de la ville. Situé à Pierre-Rouge, au cœur du faubourg des Beaux-Arts, ce stade historique, propriété de la SA Enclos Saint-François, a été géré par la ville pendant plusieurs décennies, selon les accords d'un bail emphytéotique. Pour résumer, le propriétaire a cédé les droits de ce stade à la mairie pour 1 euro symbolique. En contrepartie, la mairie s'engageait à entretenir la structure et à la mettre à disposition des Montpelliérains. C'est un terrain mythique qui a vu plein d'enfants s'y entraîner, qui a donné à la Paillade et aux autres équipes pro des joueurs. C'est l'ancien club de Lunaré et je pense qu'avec une volonté politique, on pouvait sauver ce stade. C'est ce bail qui est l'objet de négociations entre la municipalité et la société Enclos Saint-François dès 2004, dans le cadre de la construction de la ligne 2 du tramway. Au moment du passage du tramway dans la rue Beauséjour, il y a eu des négociations qui ont porté entre la ville et les propriétaires du terrain sur le fait que le propriétaire du terrain cédait une parcelle ou deux parcelles. Et en échange, était vendue la constructibilité d'une partie du terrain. Ce terrain se compose en deux parcelles. Il y a une grande parcelle où il y a le terrain de foot et il y a une petite parcelle qui est aujourd'hui mise en jachère, qui est laissée en jachère. Donc, au départ, la construction se faisait sur ce petit terrain. Et en fait, en mars 2011, ce que nous avons appris, c'est que la construction, la constructibilité se porterait sur l'ensemble du terrain. Redevenu maître de son bien en 2011, c'est donc bien la SA Enclos qui décide de vendre le stade au promoteur immobilier Pragma, sous réserve de l'obtention du permis de construire. Or, qui délivre ce permis de construire ? La mairie. Et on a discuté avec l'association, bon, qui elle dit il faut retrouver le même stade. Elle dit ben oui, mais enfin le propriétaire, lui, il n'est pas prêt à céder. Donc on a déjà obtenu ça, voilà, on s'est mêlé d'affaires privées. Et il y a 25% de logements sociaux, que les gens qui habitent dans le logement social, ils habitent aussi dans ce beau quartier des Beaux-Arts. Ça, je crois que tout le monde est d'accord, mais il faudra bien quand même rendre cette opération possible. Pragma devrait donc construire sur cette zone 263 logements, au grand dam des habitants du quartier dénonçant certes la perte d'un équipement sportif, mais aussi les problèmes importants soulevés par une densification urbaine abusive. Manque de place dans les écoles, problèmes de circulation et de stationnement dans une zone déjà saturée, mais aussi la perte d'un espace vert servant de bassin de rétention en cas de grosse pluie. Ce qui était souhaité de la ville, c'était la préemption de ce terrain, puisque la ville a la faculté de préempter. Ce à quoi il nous a été répondu il y a quelques mois par l'agent d'urbanisme Michael Delafosse, qu'il s'agissait d'une question de droit privé, non pas d'une question de droit public. Or, c'est une question de droit public, puisque c'est la décision d'urbaniser ou pas une partie de notre quartier, une partie de la ville. C'est tout l'équilibre du quartier, au-delà des éléments sociologiques, les problèmes d'école, les problèmes de transport, les problèmes de voiture, les problèmes de stationnement, il y a également un énorme problème urbain pur et dur.
Construire plus, toujours plus, la ville ne sait finalement faire que ça. Et personne ne semble remettre en cause ce système d'accroissement et d'extension. On me dit toujours aussi, oui mais bon, il faut bien loger les gens, il y a des gens qui arrivent, tous les mois à Montpellier, il faut bien les loger. Si vous, c'est ce que dit Moore, hein, notamment, et pas que moi d'ailleurs, Hervé Martin aussi du Parti communiste, enfin, élu du Parti communiste, dit ça, Michel Passé. On nous dit qu'il ne faut pas construire au parc Montcalm, on nous dit qu'il ne faut pas construire le quartier Oz, on nous dit qu'il ne faut pas construire au Père Prévost, mais alors les logements, on les fait où, quoi? Ça, c'est leur gros argument. Son attractivité, Montpellier la doit certes à son climat, mais elle s'explique aussi par la communication faite par la ville, ainsi que par le régime équipementier qu'on y installe. Autoroute, gare, aéroport. Hier surdoué, aujourd'hui unlimited, Montpellier doit continuer à attirer pour exister. On n'a pas la solution de rechange à ça, quoi. Donc, on continue à faire ce qu'on sait faire. On fait venir des gens. Du coup, il faut créer des logements, créer des infrastructures. Du coup, ça crée quand même des emplois pour ces gens-là. Certes, on a un chômage élevé, mais bon, voilà. Cette fuite en avant de la ville est palpable lorsque l'on voit les projets mis en place par la mairie et l'agglomération. Des projets ayant vocation à faire de Montpellier une ville au rayonnement national, voire international. À Montpellier, il y a un délire d'extensivité, de développement à tout craint. Ce qui fait que Montpellier est un laboratoire d'excellence, pour paraphraser les termes de mes petits collègues universitaires, en termes de sortie de terre, d'équipement, de projet. Et à 95%, pour ne pas dire à 100%, assez inutile. Montpellier, une métropole inutile ? Cela vaut le coup d'être vérifié. Regardons de plus près quels sont les grands projets récents de la ville. En 2012, le quotidien local Midi Libre titrait « Montpellier, capitale de l'architecture ou folie des grandeurs ?» Une question légitime quand on sait qu'au cours de l'année 2010, Montpellier a vu sortir de terre trois monstres architecturaux dont le coût relatif à l'utilité fut mis en débat. L'Arena a été inaugurée en septembre 2010. Cette salle titanesque à la capacité d'accueil de 14 000 spectateurs était au moment de sa construction la deuxième de France. Voulu par Georges Frêche, cet équipement certes structurant pour l'ensemble du sud de la France aura coûté la bagatelle de 71 millions d'euros, dont 26 millions portés par les collectivités locales, la région en tête, avec un investissement de 12,4 millions d'euros, suivi de l'agglomération avec 11,3 millions et la municipalité, dont l'investissement s'élève à 3 millions. La nouvelle mairie, inaugurée en novembre 2011, aura elle aussi fait couler beaucoup d'encre, jusque dans les pages de nos confrères américains. Située à l'entrée de Port-Marianne, elle occupe une position stratégique, faisant le lien entre l'ancien centre et les nouveaux quartiers d'affaires. Signée par Jean Nouvel, grand nom de l'architecture, cet immense cube bleu, d'une superficie totale de 27 000 m² sur 12 étages, a l'avantage de regrouper l'ensemble des services auparavant dispersés sur 7 sites. Avec ses 500 bureaux, elle permet à près de 1000 agents municipaux de travailler dans de bien meilleures conditions. Pourtant, pour beaucoup de citoyens et d'élus, cette mairie a tout simplement coûté trop cher. Donc on voit bien que c'est un tout qui arrive à une somme de 181 millions d'euros, qui est une somme considérable. Et on voit bien que, vous pouvez penser, une mairie qui a vieilli, changé de bâtiment, c'est pas absurde, c'est pensable. Mais alors, changer de bâtiment pour passer quelque chose qui est un objet à 181 millions d'euros, dans une ville comme celle que nous avons décrite un peu juste avant, c'est quand même quelque chose qui est inadmissible. Enfin, Pierre Vive, inaugurée en septembre 2012, la Cité du Savoir et des Sports, héberge les archives départementales, une médiathèque et Aérosport. Initié par André Vézinet, président du Conseil Général, cet édifice de 26 000 m² est l'œuvre de l'architecte star Zaha Hadid. Un projet au coût de 125 millions d'euros, dont 79 millions aux frais du département et 8,6 millions pour la région. Son implantation dans un des quartiers les plus pauvres de la ville soulève évidemment une question. Cet argent n'aurait-il pas dû être utilisé à des fins plus utiles pour les habitants de ce quartier et de Montpellier en général? À ces trois projets faramineux, pourrait être ajouté le lycée hôtelier Georges Frêche. Signé par l'architecte italien Massimiliano Fuxas,
Son coût pris en charge par la région s'élève là encore à 73 millions. Au total, les collectivités locales ont donc engagé plus de 360 millions dans ces quatre projets. Mais ce n'est pas tout. Si André Vézinet et Georges Frêche ont pu graver leur nom dans la pierre, pourquoi pas Hélène Mandroux ? Médecin de formation, l'héritage de la mère sortante sera donc la Cité du corps humain. Chiffré à plus de 37 millions d'euros hors coût de fonctionnement, ce musée interactif devrait voir le jour dans la ZAC de Parc Marianne, en lieu et place du projet de musée d'art contemporain initialement prévu par Frêche. Une guerre des chefs, diront certains, un projet phare et cohérent pour la ville de Montpellier, répond le maire. Montpellier est né au Moyen-Âge parce que des médecins juifs, chrétiens, arabes se sont rencontrés, ont créé la faculté. Et aujourd'hui, c'est la plus vieille faculté de médecine d'Europe qui est actuellement en exercice. Et c'est pour ça que nous avons cette tradition. Quand on pense Montpellier, on a une identité. Où que vous soyez de par le monde, si on parle Montpellier, on pense médecine. La maire sortante a beau invoquer les 250 000 visiteurs par an prévus et un financement mixte privé-public faisant appel au mécénat, cet énième projet dans une ville aussi marquée par la précarité est loin, très loin, de faire l'unanimité. La communauté scientifique et médicale est également partagée. Cette cité du corps humain ne fait-elle pas doublon avec le musée d'anatomie situé dans les locaux historiques de la faculté de médecine ? L'argent de la cité du corps humain n'aurait-il pas été mieux employé pour rénover ce site qui s'apprête à recevoir 6000 nouvelles pièces, faisant de cette collection une des plus belles de France et qui plus est, gratuite. Autre projet, cette fois équipementier. Montpellier a engagé l'un des plus gros chantiers autoroutiers de France, j'ai nommé le doublement de la 9 au sud de la ville. Au total, 6 nouvelles voies seront prévues afin de différencier trafic de transit et trafic local, selon ASF, le maître d'ouvrage, et les autorités locales qui ont donné leur appui pour ce projet. Le problème de ce projet de doublement de la 9, c'est que d'une part, il était disproportionné par rapport aux besoins, et il laisse deux autres problèmes. C'est qu'il n'a pas résolu, il ne permet pas de résoudre les vrais problèmes qui se posaient pour la circulation à Montpellier même, c'est-à-dire les bouchons à la sortie de l'autoroute pour rentrer dans Montpellier. Qui finance maintenant les sorties les nouvelles sorties qu'il fallait créer, qui va payer les travaux de requalification de l'ancienne autoroute en boulevard urbain, puisque si c'est plus une autoroute, il faut la transformer, lui donner un autre visage avec des voies pour les bus, etc. À ce moment-là, ça rendrait les choses un peu plus acceptables. Mais qui va le financer ? Si le projet est pris en charge par ASF, Autoroute Sud de France, filiale de Vinci, quid effectivement des infrastructures qui graviteront autour, à savoir les bretelles, ronds-points, etc., nécessaires pour relier la ville à la 9. L'État s'étant désengagé sur ce dossier, ce sera aux collectivités locales de s'en charger. De plus, le projet n'a pas été simple à mettre en place. La commission d'enquête a, en 2006, émis un avis défavorable au doublement, fait assez rare pour être souligné. Des projets alternatifs ont été proposés, mais trop peu ambitieux, l'État et les autorités les ont jugés inefficaces. C'est finalement en 2011 que le ministre des Transports Thierry Mariani entérine lui-même le projet lors de sa venue à Montpellier. Le tout passé en douce par les collectivités sans en informer les Montpelliérains. Mais en fait, le doublement de la 9, il suffisait de dire, s'il y avait une grosse campagne de communication, et de dire aux gens, est-ce que vous voulez une 12 voies au sud de Montpellier ? 12 voies, c'est ce que c'est, quoi. On en parle plus en termes de montant aujourd'hui, d'ailleurs Moore le premier pour dire que ça va créer plein d'emplois, etc. Je pense que le lobby, travaux publics, a été important. J'ai fait des papiers aussi pour montrer ça. Il y a même un élu qui l'a dit, hein, le maire de Lattes, qui était contre. Qui a dit, mais le lobby du... C'était vieux, ça, c'était en 2008, je crois, ou 2009. Le lobby du BTP nous met une pression de folie. C'était génial, cette phrase-là, quoi. Je pense qu'il a dû se mordre les doigts de le dire. Ah, tout s'explique. Il est clair que le marché est plus qu'intéressant pour Vinci et ses filiales. L'entreprise a racheté le foncier à des prix extrêmement bas. On parle de 3 à 4 euros le mètre carré dans certaines zones. Imaginez le bénéfice que ce nouveau doublement pourrait générer lorsqu'il sera en fonctionnement dès 2017. 2017 qui, coïncidence, est l'année de mise en service de la nouvelle gare TGV et l'ouverture du nouveau quartier d'affaires Oze. La nouvelle gare TGV s'inscrit dans le projet du contournement ferroviaire Nîmes-Montpellier.
Un chantier estimé à près de 2 milliards d'euros est financé par un partenariat public-privé entre RFF, Réseau Ferré de France, et la société Ogvia, filiale du groupe Bouygues Construction. La nouvelle gare, prévue à Odysseum, est un moyen de desservir Montpellier. Coût de l'opération, 135 millions d'euros au total. L'agglomération devrait financer à la fois le contournement et la gare à hauteur de 88 millions d'euros, somme à laquelle il faudra ajouter 56 millions pour le prolongement de la ligne 1 du tramway jusqu'à la gare. Nous, on ne serait pas totalement opposés à ce qu'il y ait une nouvelle ligne qui de train qui contourne Montpellier pour faire du ferroutage et du transport voyageurs. Mais ça veut dire que c'est des lignes à 220 km/h, c'est des lignes un peu différentes et qui permettent de faire du ferroutage avec... Mais là, on est dans une autre logique qui, de notre point de vue, ne répond pas à des besoins et qui va être absurde et qui, là aussi, va quand même coûter énormément d'argent. Hein. Francis Viguier n'a ici pas tout à fait raison, puisque la nouvelle ligne sera en mesure d'accueillir à la fois des trains de fret et des trains à grande vitesse. Cela étant, ce ne sera pas mis en place dès son ouverture en 2017, et on ne sait pas encore si cette ligne proposera du ferroutage. La question qui se pose donc, c'est une nouvelle gare, pour qui et pourquoi ? Une autre solution était envisageable, créer un embranchement entre le contournement et la ligne actuelle au niveau de la ville de Saint-Bresse. Seulement, un arbitrage a jugé ce projet trop coûteux et peu efficace et a donc privilégié une nouvelle gare. Le deuxième problème concerne l'emplacement de la gare. Odysseum était-il le choix le plus légitime ? Ne pouvait-on pas envisager une gare à l'ouest de la ville, par exemple ? En fait, ce projet, tout comme le doublement de la 9, est prévu depuis fort longtemps. Georges Fraîche, en son temps, souhaitait déjà créer une nouvelle gare TGV Sud de France à Odysseum. Et l'idée de développer un quartier d'affaires autour de cette infrastructure a très vite émergé. La gare Odysseum était le point central du quartier Oz et de toute l'urbanisation de ce truc-là. Donc c'était impossible de ne pas la faire. Quoi. On ne raisonne pas du tout en termes normalement. Une gare, quand même, c'est pour les voyageurs SNCF, quoi. Enfin, c'est pour ceux qui prennent le train, mais non. Enfin, en fait, là, c'est presque accessoire. Quoi. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait autour, et après, voilà, on regarde comment on la justifie. Quoi. Bon. Si le projet d'une nouvelle gare avait rapidement été évoqué dans un débat public sur la ligne Montpellier-Perpignan en 2009, les citoyens et usagers n'ont pas vraiment été consultés sur la pertinence et sur l'emplacement de la gare. La dite concertation, qui s'est tenue en mars 2013, demandait aux Montpelliérains quelle gare ils voulaient avoir à Odysseum, et non, est-ce qu'il faut une gare à Odysseum ? Enfin, projet acté et confirmé, tout va bien, le quartier Oz peut se mettre en place. Oz est sûrement le plus grand projet urbain de l'agglomération à l'heure actuelle. Dans la droite ligne de l'expansion de Montpellier vers la mer, ce quartier a bénéficié d'une communication toute particulière quant à ses prétendues vertus écologiques. Sur ces 350 hectares, plus de 200 seront a priori consacrés aux espaces verts. Formidable, non ? Il y aura même des chevaux au premier plan. Si les bureaux d'études ils vous font passer un quartier entre deux autoroutes comme un quartier écolo, bon, on n'est pas d'accord. Après, on va voir comment ça évolue. C'est un projet à très long terme, Oz, sur 30 ans. Nous, ce qu'on veut, c'est préserver davantage de ceintures vertes, qu'il y ait une certaine urbanisation autour de la gare, etc. C'est sûrement inéluctable. Mais ce qu'on veut, c'est revoir les équilibres pour préserver là aussi une ceinture verte, pour ne pas non plus soumettre de futures habitations aux nuisances des infrastructures de transport, que ce soit les deux autoroutes, l'ancienne et la nouvelle, et la ligne à grande vitesse. Bon voilà, nous ce qu'on veut c'est ça. Le quartier Oz est en effet prévu entre l'autoroute actuelle et son futur doublement. La ligne ferroviaire est également censée le traverser. Difficile déjà dans ces conditions de le qualifier d'écologique. Je pense que le quartier Oz construit entre deux autoroutes, je vois pas comment il pourrait être écologique. Voilà. Maintenant, il y a des efforts à faire. C'est une zone dans laquelle peut-être que les habitations ne devraient pas avoir leur place. Ce sont au total 300 000 m² de bureaux et 4 à 5 000 logements qui sont prévus. Le quartier se situe sur une zone en partie inondable, sur laquelle il est préconisé de ne pas construire. Néanmoins, Jean-Pierre Moore, président de l'agglomération, affirme que rien ne sera construit sur ces zones-là.
Difficile à croire lorsque l'on compare l'emplacement de la ZAC Oze 1, où se construit la future gare, et les zones inondables, qui sont situées au même endroit. Mais bon, tant que le quartier est attractif... Et à partir de là, on a la réalité qui fait que ce territoire est en pleine attractivité et on va pouvoir le démontrer avec tous ceux qui vont pouvoir s'y installer. Montpellier avait un cœur. Il aura désormais son poumon. Un poumon de 350 hectares, dont 200 dévolus à la nature. On le voit bien, Oze, c'est le grand projet de l'agglomération. Pour en garder la maîtrise totale, celle-ci a fait appel à la SAM, la petite sœur de la SERM. La SAM, Société d'aménagement de l'agglomération de Montpellier, c'est comme la SERM, sauf qu'elle est entièrement publique et donc détenue par l'agglo, et qu'elle permet d'éviter la mise en concurrence, donc d'être plus efficace en contournant les règles classiques. Quand on désigne la SAM, eh bien, ça permet souvent de pouvoir mener l'opération plus rapidement, parce qu'elle est moins, comme le statut des SPL permet, des sociétés 100% publiques ne passent pas par une mise en concurrence, on peut mobiliser cet outil. Et parfois, quand vous devez intervenir dans l'urgence sur des quartiers, sur des opérations, ben on sollicite la SAM. Donc c'est finalement, il faut comprendre, c'est la même entité, il y a une répartition des comptes différente, il y a une structure de capital différente, mais c'est de l'aménagement public. Voilà. La SERM a 50 ans, on ne va pas liquider une société qui a 50 ans, qui fonctionne, ben elle a été créée à l'époque par François Delmas. Voilà. Du coup, la SAM évite la mise en concurrence ? Dans certains cas, la SAM peut intervenir directement parce qu'on peut lui donner un mandat. La SERM est mise en concurrence. Et sur le quartier Oze, c'est la SAM qui s'en charge ? Oui, c'est la SAM qui va... Non, c'est pas... C'est la SAM qui mène les études. Voilà. Cela voudrait donc dire que l'on avait besoin d'agir dans l'urgence pour le quartier Oze. Comment expliquer cela ? On l'a dit, la nouvelle gare était prévue depuis fort longtemps. Comment expliquer que l'agglomération n'ait pas pris les devants et ait dû agir dans l'urgence, sachant que l'on savait l'enjeu autour de cette zone ? De deux choses l'une. Soit l'agglomération n'a pas préparé le terrain et a effectivement dû agir dans l'urgence, dans l'acquisition du foncier. Soit tout cela n'est qu'un prétexte pour pouvoir éviter une mise en concurrence sur les études d'impact et donc la mesure des enjeux écologiques autour du quartier. Dans les deux cas, l'agglomération communique énormément sur un quartier dit écologique, mais qui se réalise dans une vision archaïque et anarchique. Je vous ai parlé de Montpellier vers la mer. Bon, ben, on n'y est pas encore, mais on a un peu le sentiment que le train est en marche et qu'il est bien lancé. Mais on a dit, voilà, il faut qu'on ait une réflexion prospective pour ce que nous voulons pour Montpellier dans les 30 prochaines années. Quelle est notre stratégie d'urbanisme ? Comment est-ce que nous allons faire pour éviter qu'il y ait une urbanisation non pensée à la parcelle, qui est parfois des promoteurs qui font des coups. Parfois, il y a des choses correctes qui se font, mais voilà, comment est-ce qu'on essaie d'avoir une stratégie ensemble ? Le projet auquel fait référence Michaël Delafosse, c'est Montpellier 2040, un travail qui a été réalisé en 2013 sur ce que sera la ville dans 30 ans. Voici le compte-rendu de leur analyse, remise au conseil municipal du 16 décembre dernier. On peut y voir un diagnostic comparable à ce qui a déjà été évoqué ici, à savoir une extension de la ville très rapide, sans réelle cohérence dans les projets urbains proposés. On y retrouve ensuite des termes souvent usités en matière d'urbanisme. La ville résiliente, pour ne pas dire adaptation. Hospitalière, pour ne pas dire attractive. Montpellier l'humaniste, the place to be. En fait, ce projet prospectif, en dépit de son diagnostic, ne remet pas réellement en cause la façon de voir la ville, sa course démographique et son extension à tout crin. Un exemple de cela, c'est le AI. Le projet loue le travail d'urbanisme effectué par la mairie pour bétonner le lieu et évoque le recyclage urbain. Or aujourd'hui, tous les candidats, y compris Jean-Pierre Moore, sont revenus sur cette décision et ont décidé de sanctuariser la totalité du parc. 2040, c'est l'habillage communicationnel de tout ce dont on a parlé jusqu'à maintenant. On a plein de termes comme ça qui sont utilisés. On ne parle plus maintenant d'attractivité, parce qu'attractivité, ça fait un peu je sélectionne les portefeuilles les plus remplis. Je parle d'hospitalité. Voilà, c'est la valeur hospitalière qui a été mise en avant dans le projet 2040 et dans l'exposé qui a été fait. Mais l'hospitalité, ça veut dire que quoi? On crachait à la gueule des gens avant qu'ils arrivent. On a toujours été hospitalier à Montpellier. Qu'est-ce qu'apporte l'hospitalité? Rien. C'est simplement pour ne plus dire attractivité. Donc, on a un
2040 qui apporte pas d'idée. Et en plus, mettre ça dans un champ lexical, un vocabulaire logomachique que l'on retrouve partout, la ville résiliente, la ville sensible, la ville aimable, mais qui en fait ne font que masquer et nous faire accepter les tendances qui aujourd'hui affectent la métropole, c'est-à-dire sa marchandisation. La métropolisation, c'est la marchandisation, la globalisation. La marchandisation, dites-vous. Pourtant, attirer des promoteurs, des investisseurs, c'est ce qui génère de l'emploi, non? D'ailleurs, la plupart des candidats adhèrent à cette idée. On ne va pas avoir des entreprises qui vont venir mettre des cheminées et de la nuisance sur Montpellier, on en est conscient. Mais par contre, sur des sièges sociaux, là, il y a beaucoup à faire. C'est des milliers d'emplois qu'on peut faire venir. Mais il y a des conditions. Il faut baisser la fiscalité, il faut construire des infrastructures, notamment les infrastructures autoroutières et aéroportuaires. Et surtout, il faut arrêter les guéguerres et la gestion uniquement politique des dossiers. Il faut de la gestion économique des dossiers. Montpellier n'a pas de grosses industries, la queue d'industrie tertiaire avec de l'informatique, de la bureautique, de la pharmacie, les sciences du vivre, la recherche, mais pas plus. C'est la raison pour laquelle là aussi je souhaite appliquer à l'emploi le diagramme de la ville durable, c'est-à-dire réfléchir sur les grands équipements structurants qui pourraient favoriser l'implantation des entreprises, que ce soit le TGV, l'aéroport, les contournements Est et Ouest, la Rocade Sud. Ce sont des équipements qui sont très importants pour à la fois la création de nouvelles entreprises et pour l'industrie du tourisme. Après, il y a l'échelle de la vie quotidienne, il y a la petite échelle, où là aussi, on doit avoir, quand on manage une ville, on doit avoir tout le temps l'emploi dans sa tête. Enfin, pour que Montpellier devienne plus attractive, il faut des infrastructures adaptées. Il faut un aéroport international, bien entendu, mais il faut aussi des axes de communication entre les différents modes de transport qui sont dignes de ce nom et qui permettent de passer d'un transport en commun à un autre sans perdre trop de temps aussi. Montpellier ne possède pas de tissu industriel. L'aristocratie locale au 19e siècle a préféré se reposer sur la vigne plutôt que de miser sur les usines. On a donc une ville qui a davantage développé une économie de services. Aujourd'hui, on le voit bien, les politiques tentent d'attirer les entreprises. C'est ce qui a d'ailleurs été fait à l'époque par Delmas avec l'implantation d'IBM, puis par Georges Frêche avec sa communication sur la surdouée. Mais est-on parvenu pour autant à pérenniser de l'emploi? Montpellier reste aujourd'hui l'une des grandes villes de France avec le plus haut taux de chômage. Celui-ci se situerait entre 14 et 18% selon des études, un taux bien supérieur à la moyenne nationale. Pour attirer une entreprise, qu'est-ce qu'il faut? Il faut lui promettre beaucoup de choses. Il faut déjà lui donner de l'argent. Alors, plutôt que de développer... Mais plutôt que d'attirer des entreprises qui vont peut-être faire venir du monde d'ailleurs, leur personnel d'ailleurs, parce que c'est bien beau d'attirer des entreprises, mais si ce sont des entreprises qui fonctionnent et qui ont déjà leurs salariés vont venir ici. Hein ? Vont s'installer ici pour continuer dans l'entreprise. Donc, est-ce que ça va résorber le chômage à Montpellier ? Non. On va leur promettre de donner de l'argent parce qu'ils ne vont pas délocaliser d'un coin à un autre sans contrepartie. Hein ? Alors, ça va toujours être, oui, je m'installe chez vous, oui, je vais, mais je pense que cet argent-là devrait servir au contraire à aider les entreprises à se développer. Si l'on se place du point de vue des entreprises, Montpellier a plutôt la cote, comme le montre ce classement des villes dites « business friendly », mis en place par le magazine L'Expansion en 2011. Les autorités locales ne font d'ailleurs pas les choses à moitié lorsqu'il s'agit de communiquer autour de l'attractivité montpelliéraine. On a pu le voir avec Montpellier Unlimited, le label économique de l'agglomération, ou encore lors du Grand Défi, organisé par la CCI et l'Aglo en novembre dernier, où l'on a réuni plus de 2000 entreprises pour parler de l'avenir de Montpellier. La question qui se pose, c'est de savoir si l'on a besoin de ce genre d'événement pour endiguer le chômage. S'adresse-t-on aux bons interlocuteurs? En fait, on a une orientation économique
et d'un modèle économique qui est poussiéreux, il faut être clair, hein, où on va faire venir certains types de populations, les fameuses classes créatives, ceux qui ont des attachés caisses, des ordinateurs portables qui vont se connecter en wifi un peu partout, on fait venir donc certains types de populations, on ne traite qu'un certain nombre de problèmes, on leur construit un certain type de logement, on offre un certain nombre de services, on va tout polariser. Ça c'est un peu en dehors de ceux qui vivent là depuis plus longtemps, qui sont quand même dans des situations pour au moins 30% de la population assez clairement difficiles et dont on a à peu près rien à foutre. Malgré ce paradoxe d'une ville qui attire mais qui ne résorbe pas son taux de chômage, les autorités ne changent pas de cap et restent dans la même optique. Attirer, attirer et encore attirer, sans se remettre en question. Il y a 30 ans, il n'y avait pas beaucoup de, on ne disait pas start-up, mais d'entreprises innovantes. On a eu IBM qui s'est implanté, c'est bien. Enfin, maintenant, à Montpellier, vous avez des choses qui sont des Bertin Naoum et son robot, les Japonais Doriba qui se sont implantés dans la filière biomédicale. En agronomie, vous avez des choses qui ont. Il y a Ubisoft, qui est l'industrie créative, dont M. Montebourg est si heureux, et tant d'autres choses que je ne peux pas citer. Et donc, petit à petit, ça se développe. Donc c'est bien. Donc ça, c'est générateur d'emplois et ça crée de la richesse. Mais c'est très long. Et combien notre pays rencontre aujourd'hui des difficultés pour créer de l'emploi. Mais Montpellier est un territoire attractif pour l'activité économique. Ça crée de l'emploi. Alors souvent, ça pose une tension. Il y a des gens qui ont des opportunités d'emploi. Ils viennent à Montpellier. Ils viennent avec leur conjoint. Cette personne doit essayer de trouver un travail. Donc elle se retrouve dans ce taux de chômage. Elle le trouve. Parce qu'ici, le taux de chômage peut-être peut apparaître élevé, mais ce qui est bon signe, c'est que le chômage de longue durée est bien moins important que dans d'autres territoires. Soit dit en passant, Montpellier n'est pas épargné par le chômage de longue durée, comme le montre ce rapport de la CCI de 2013. La ville suit la tendance nationale qui est à la hausse. Quant à la volonté d'attirer des entreprises innovantes, il s'agit toujours d'une économie fragile, car elle repose en très grande partie sur la conjoncture internationale. Il y a eu des grosses entreprises qui se sont créées ou qui sont venues s'installer comme Dell, comme Bull, comme Air Littoral, etc. Ces entreprises, elles ont fermé. Elles ont regardé Sanofi, regardé toutes ces grosses boîtes qui font quand même une richesse de Montpellier. Elles épurent elles aussi. Quoi. Donc, il n'y a pas d'usine. Il y a des entreprises qui sont exclusivement sur la recherche, sur elles aussi licencient. Les grands travaux comme le tramway, ça peut amener à un moment donné un air, une bouffée d'air, mais c'est pas pérenne. Des travaux publics qui ne garantissent pas nécessairement d'emploi, d'autant que les grandes entreprises qui les mettent en place préfèrent parfois embaucher leur propre main-d'œuvre ou des sous-traitants étrangers, ce qui a pu expliquer récemment la grogne des artisans de la paillade, qui ne voyaient pas la couleur des emplois générés par les nouveaux travaux, comme la ligne à grande vitesse, le doublement de la 9 ou la nouvelle gare. L'autre levier sur lequel les autorités locales pourraient jouer est celui de l'emploi public. Mais là encore, du fait des restrictions budgétaires, des postes sont supprimés. On a pu le voir à l'hôpital, un des plus gros employeurs de la ville, qui a prévu de supprimer 300 postes pour réaliser des économies. Dans ce contexte, tout miser sur des grands projets et sur l'attractivité de la ville est une stratégie risquée, car les garanties de travail ne sont pas certaines. IBM, Dell ou encore Sanofi, plus récemment, ont supprimé de nombreux postes ces dernières années. Pourtant, c'est ce genre d'entreprise que les autorités cherchent encore à attirer. Il en est une, cependant, qui prospère à Montpellier, et ce depuis maintenant 25 ans. Vous ne voyez pas de laquelle il s'agit ? Si, je suis persuadé que vous en avez entendu parler. Veolia, ça ne vous dit rien ? L'eau est un bien commun, et pour nous, le bien commun ne doit pas être l'objet de spéculation, et ne doit pas être entre les mains d'une multinationale. Veolia, c'est Veolia, bien. Moi, je ne vais pas reprocher à Veolia de faire du profit. C'est fait pour ça. C'est une multinationale qui fait du profit. Je reproche ceux qui donnent un bien commun à une multinationale comme Veolia, dont on sait que le seul objet de Veolia, c'est de faire du profit.
Le 25 juillet dernier, l'agglomération votait la reconduction du contrat en régie privée concernant la gestion de l'eau à Montpellier. Cette décision a suscité de vives réactions dans l'opinion, car la question d'un éventuel retour en régie publique n'a été que très peu soulevée par les autorités. Pour mieux comprendre cette polémique, il faut revenir 25 ans en arrière, un 25 juillet également, mais en 1989. À l'époque, Fraîche délègue le service de l'eau à la Générale des Eaux, actuellement Veolia. Pourquoi, me direz-vous ? Officiellement pour baisser les coûts de cette gestion pour la municipalité, officieusement pour permettre le financement du Corum, la grande salle de conférence de Montpellier. Le grand deal qu'il y a eu entre la Générale des Eaux et le maire de l'époque, c'était d'octroyer pour la Générale des Eaux un montant de 250 millions de francs en avance sur les recettes des 25 ans de fonctionnement de la gestion de l'eau. Et ces 250 millions de francs ont été essentiellement utilisés pour terminer la construction du Corum. C'est donc une sorte de transaction assez floue, puisque finalement, le Corum, qui est un instrument maître de la ville de Montpellier à l'époque, n'est pas payé finalement par les impôts locaux, selon une justice sociale et économique à travers l'impôt, mais à travers le prix de l'eau. Jusqu'à 2014, finalement, on paye chaque année, dans ce qu'on appelle les investissements contractuels, en fait, le remboursement de cette somme, mais avec un flou sur la donnée exacte remboursée. Cela dit, on peut penser qu'il y a 4 millions d'euros qui correspondent à ce remboursement, ce qui fait, par extrapolation, un remboursement de plus de 600 millions de francs au lieu des 250 de départ, c'est-à-dire une recette très confortable pour l'opérateur. 4 millions d'euros annuels en intérêts, auxquels il faut ajouter une surfacturation pratiquée par Veolia, comme on peut le voir dans l'audit effectué par Service Public 2000 l'an passé. Les charges d'exploitation et de fonctionnement du réseau sont estimées à 14,3 millions d'euros et sont réduites par l'audit à 11,4 millions, ce qui fait une surfacturation de 3 millions d'euros payée par les usagers. Ce sont donc 7 millions d'euros plus les marges de Veolia qui sont financées directement ou indirectement par le citoyen. Mais bon, après tout, si le réseau est de qualité... Du point de vue technique, le réseau de Montpellier est très mal entretenu. Le critère de notation est très mauvais. Que ce soit pour l'eau potable, mais aussi pour le réseau d'assainissement, malgré les investissements qui ont été consentis dans le réseau d'assainissement depuis 10 ans. Pour l'eau potable, la situation est même un peu catastrophique, parce que le taux de renouvellement du réseau est vraiment très faible, c'est 0,3%, quelque chose comme ça. Ça veut dire qu'on renouvelle le réseau que tous les 250 ans. On le voit bien, la gestion de l'eau par Veolia ne contient pas que des avantages, loin de là. Mais un retour en régie publique pour lequel milite l'association Au Secours 34 aurait-il été envisageable ? Et surtout, aurait-il été bénéfique ? Une régie à autonomie financière et à personnalité juridique permet d'abord, premièrement, la transparence vis-à-vis des usagers. Les usagers sont aussi les consommateurs, les citoyens, les électeurs et les contribuables. Hein, donc on a plusieurs casquettes et donc on a le droit d'être informé sur la conduite du service d'eau potable et d'assainissement et sur le niveau de ses performances. Ça, c'est quand même de grands exemples quasiment emblématiques aujourd'hui après des années et des années de lutte, comme le cas de Grenoble le montre, comme le cas de la ville de Paris aujourd'hui, c'est pas la moindre, des villes de France. Le retour sous le label Eau de Paris en régie publique a été opéré sur la ville de Paris et à la fois le prix de l'eau a baissé, mais aussi les performances et l'amélioration du patrimoine en l'espace de quelques années est engagée sur une tendance très favorable dans l'intérêt de la collectivité et des usagers. Donc voilà les principaux avantages que nous y voyons. Pourquoi n'a-t-on pas réellement envisagé du côté de l'agglo de passer à une régie publique ? Comment expliquer que les Montpelliérains n'aient pas été consultés sur une question aussi importante ? L'agglomération, pour justifier la prolongation du contrat avec une société privée, a fait appel à un panel de 20 personnes. Un peu léger pour une zone urbaine qui compte plus de 400 000 habitants.
Le mode de gestion n'a pas fait partie de la concertation. Il a été exclu de la concertation et on en a parlé vaguement à la fin, éventuellement en conseil d'ado. Enfin, il n'y a quasiment pas eu de débat là-dessus. Et après, la concertation, enfin, ce que ça a donné, c'était. Ils ont enfilé des perles, quoi. Il faut une eau potable, oui, un robinet, bon, d'accord, c'est bien. Je caricature, mais c'est quand même pas loin d'être ça. Hein. Lors de la concertation, il est vrai qu'une éventuelle régie publique de l'eau n'a pas été évoquée, et ce qui est ressorti finalement début juillet, c'est la prolongation du contrat avec une société privée pour 7 ans. Pourquoi 7 ans? On ne sait pas. Il s'agit d'une proposition venue de nulle part, en tout cas pas des citoyens, et c'est de cela dont il a été question au Conseil d'Agglo le 25 juillet dernier. Donc on a voulu absolument éviter le débat autour du contrat et autour du statut du service public de l'eau et de l'assainissement sur cette agglomération. Donc en fait, c'est une farce. On s'est aperçu que nombre d'élus locaux n'étaient absolument pas au courant de ce qui se passait. Donc en fait, l'opacité de la gestion, le manque de transparence et donc tout ce que cela cache derrière, et pourtant nous nous refusons à avoir une vision, je dirais, de complot, hein, c'est-à-dire une vision d'analyse policière de l'histoire, c'est tout simplement que l'absence de transparence dans la gestion des affaires publiques est une constante de toute la mandature de Georges Frêche et de ses successeurs, et que c'est avant tout cela que nous remettons en cause, et que nous avons une exigence de transparence et en même temps, je dirais, d'équité vis-à-vis des usagers qui payent leurs factures. C'est-à-dire que la facture doit correspondre à la stricte contrepartie du service rendu. Le problème, c'est que la concertation publique est relativement absente à Montpellier. Dans tous les thèmes, les débats sont rares. Les citoyens ne sont consultés qu'occasionnellement et ne font finalement qu'entériner les décisions prises par les collectivités. On fait les réunions publiques, hein. Et c'est pour vendre les projets, bien évidemment, pour faire accepter. On trie un peu les populations, donc il n'y a pas véritablement de débat où on peut en découdre. On peut compliquer un peu ces choses-là, où on peut proposer des alternatives, mettre en lumière des imaginaires un peu différents du milieu de vie que constitue la ville, etc. Quel que soit le dossier choisi, qu'il s'agisse de l'urbanisation, du logement, de l'emploi ou des grands équipements publics, la communication entre politique et citoyens semble ne plus fonctionner que dans un sens. La mairie comme l'agglo s'affiche avec de grandes concertations ou le projet 2040, une démocratie participative réduite pour beaucoup à de simples slogans publicitaires. Concerter ? Mais concerter qui ? Pourquoi ? Et au fond, pour qui ? Au municipal de 2008, l'abstention des Montpelliérains atteignait le taux record de 47,4%. L'agglo de son côté s'indigne. Le message ne passerait-il plus ? Effectivement, il y a un discours et une communication en disant voilà, on fait participer. Bon, il y a déjà la loi hein, sur les concertations publiques, les enquêtes publiques, etc. Mais en plus de ça, quand même, parce que c'est dans l'air du temps, la mairie, l'agglo, tout ça, dit on fait participer les citoyens, on fait des grandes concertations, mais en pratique, c'est relativement limité, quoi. J'ai participé à plusieurs débats où on voit que l'expertise citoyenne, elle, si on lui donne vraiment les moyens d'exister, elle peut vraiment faire progresser la décision publique. Et il y a des choses sur lesquelles la municipalité, l'agglomération sont passées à côté, mais royalement. On a vraiment le sentiment, quand on va dans des réunions, que la seule chose qu'on nous demande, c'est de savoir quel arbre on va planter et la couleur de la façade. Et malheureusement, on s'est heurté à des structures de concertation où les élus étaient d'un côté de l'estrade et où, quand ils disaient « la parole est à la salle », tout était déjà plié et on avait même des leçons de technocratie politique chaque fois qu'on disait « mais regardez, pourquoi vous ne feriez pas ça ?» et pourquoi pas. Enfin voilà. Hier, j'ai photographié un truc hallucinant. Il y a une affiche, vous voyez un petit peu de dos avec une tasse de café. Hein ? Voilà ce que fait la ville avec les Montpelliérains. Mais c'est sur foutre de la gueule du monde. On devrait arracher ces affiches. On devrait coller autre chose à la place. Ils voulaient nous faire croire que cloner allait arriver et que pour être à la mode, il faut aller dans cette rue justement pour avoir une tasse de... C'est ça que nous propose la ville. C'est ça que nous propose Hoss. C'est ça que nous propose M. Moore et compagnie. On n'a pas léché les bottes à ce monsieur-là. Vous vous rendez compte dans quoi il veut nous entraîner? On y est déjà et il veut nous entraîner encore plus. Il faut arrêter le jeu avec ces gens-là et construire autre chose
d'après ce qui a été proposé par rapport à vous tous, qui êtes dans différents quartiers, qui êtes dans différentes couches sociales, etc., qui êtes dans différents niveaux. Et c'est ça qui est intéressant. Mate-moi de la tête aux choses et fais-toi l'idée que c'est moi le blues et pas Johnny Hallyday. Moi j'ai la trime et le vécu, l'ami, la rime, je l'ai vaincu. Et si la fin justifie les moyens, j'ai faim, la fin tue. J'ai pas de taf et pas d'argent, pas de faf, pas d'agent. Je vais dans la boue en pâte aux gens pour que mon blues parle aux gens. Libre comme un loup, mais je suis un chien, la tête dans le four et j'ai le blues des anciens, man. Dans les champs, dans le delta, les cendres où le changement ne pousse pas, les gangs et la paix qu'on ne trouve pas, la paix.